us travel on to nowhere. That we try just never mattered. They all shattered, so we packed up and we're gone. Turn the tables around. That's where the life can be found. You've got to be Trinity. To change your mind. How far down that road you've gone, a long way from the first day when you picked up that gun. Turn the tables around. That's a good thing to be found. You've got to be Trinity, Trinity's been told. Trinity, Trinity's been told. Ben, qu'est-ce que t'as? Bien vu, mon vieux. Miam. Ah, on va pouvoir passer à table. Ah, pauvre John, c'est pas de l'ami de pain qu'il a reçu sur la tête. Ah. J'ai dit les mains en l'air. Si tu cherches le chemin du paradis, eh ben tu l'as trouvé. Au nom de la loi, vous m'arrêtez. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Vous représentez pas la loi? Ah. Ben nous, non, on est comme toi. La loi, on la contourne. Combien tu vaux? $500? Pas encore, non, j'en suis seulement à mes débuts. Mais le juge Fitzpatrick m'a dit que si je continuais à m'appliquer, ça ferait monter les enchères. Pour l'instant, de la 50. Mais c'est pas mal, ça. Et qu'est-ce que t'as fait comme exploit, hein? T'as volé un bœuf? Non. Un œuf. Ah, toi, t'iras loin. Bon, alors, bonne route et un de ces jours. Et merci pour le cheval. Quel cheval? Qu'est-ce que tu crois? Celui que tu vas nous laisser? Bon, j'y vois pas d'objection. À condition qu'il soit d'accord. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Et il a dit non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le joue à pile ou face ou on le tire à la courte paille? Il se fout de nous. Tu permets que je règle ça à ma façon? Ouais, vas-y, il est à toi. File-lui une bonne raclée et renvoie-le d'où il vient, à pied. Ah.
ça suffit, finissons-en. Les haricots vont être trop cuits. C'est la fin des haricots. Jetez vos ceinturons. Allez, assis, tenez-vous peinard. Hey, c'est tout ce qui nous reste à bouffer. Tu vas pas te taper tous nos haricots à toi seul quand même, non? Si. Charrie, quand même. On va pas le laisser tout bouffer. Ben, pourquoi que tu fais ça? À quoi ça te servirait de nous tuer? Et pour tout vous dire, je me pose la question. J'ai pas l'habitude, je suis un débutant. Qu'est-ce que vous me conseillez? Eh ben, moi, si j'étais à ta place, je nous dirais au revoir et je m'en irais. Non, on blaguait, hein, tu dois le savoir. Ouais, sens de l'humour. Mais t'es pas à ma place. Attendez, j'ai une idée. Vous allez vous casser la gueule entre vous. Et le dernier des trois qui restera debout, je laisse vivre. D'accord? Allez-y, moi je compte les points. Fais gaffe! Hey, qu'est-ce que tu avais commencé à me dire tout à l'heure à propos de ton frère? Et j'allais te dire que si j'avais pas eu le malheur de trouver sur ma route cette espèce de grand connard d'enfant... Oh, de qui vous êtes en train de parler? De ton fils. L'autre, pas lui. Ah. Et qu'est-ce qu'il a encore fait? Trois fois rien. Bambino, lui, il a volé des choux, des étalons superbes. Il allait les embarquer, mais par malheur, Trinita est arrivée et il en a fait cadeau à une bande de crève-la-faim. Je peux te dire que moi, à sa place, je l'aurais abattu comme un voleur. Parce que tu trouves qu'on a le droit de tuer son frère? Quand on a une bonne raison. Allez, viens avec moi, mon petit. Où ça? Au bain. Pas des heures pour faire fondre cette crasse. Non, mais tu pourrais pas te rendre utile, grand fainéant. Allez, remue tes fesses, va me chercher des paquets d'eau. Bon, à rien. Ah, ça va, ça va. J'ai dit, va me chercher de l'eau, réveille-toi, quoi. Mais tu me rends folle, celui-là. Allez, toi, viens te récurer. Pauvre Bambino, faudra qu'il y passe. Hé, hey, Pearl! Pearl, viens voir! Viens, je te dis! Qu'est-ce qu'il a encore à me casser les pieds, celui-là? Quel merdeur! Je suis enfin arrivée à coller Bambino dans le bain, faut que tu me déranges! Mais tu te rends compte que si jamais il sort de l'eau, il ne retournera pas jusqu'à l'année prochaine? Qu'est-ce qui se passe encore, hein? T'as ta crise, qu'est-ce que t'as? Non, j'ai bien failli. Tu sens pas une drôle d'odeur? Ah! Trinita! Mon chacal favori revient dans cette tanière. J'ai commencé à croire que tu pendais au bout d'une corde et que les vautours t'avaient dévoré. Où est-ce que t'étais passé, toi? Oh, je voyageais. Et pourquoi t'as pas écrit à ta mère? Parce que je sais pas écrire et que toi, tu sais pas lire. C'est une bonne raison, en effet. Allez, gros malin, viens, entre. J'ai une surprise pour toi. Bonne surprise. Hé, hey, Bambino. Regarde qui est là. Salut. Eh ben, quoi, tu dis rien? T'es pas content de voir ton frère? Non! Pas honte? Il a raison de pas être content. Ce grand imbécile lui a fait louper l'affaire de sa vie avec cette histoire de chevaux. Tu voudrais peut-être qu'il lui saute au cou. À la place de Trinita, t'aurais fait comme lui. Allez, va mettre la table. Arrête de me casser les pieds. Hein? Et toi, avant de t'asseoir à table, va te laver, tu pues. Tu me coupes l'appétit.
Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Si t'as l'intention de rester, je pars. Écoute, si tu veux que je te donne un conseil, noie-le, enfonce-lui la tête dans l'eau et attends qu'il crève. Hey, tu vas pas écouter les conseils de ce vieil alcoolique, non? Non! Seigneur dit pèse sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et moi je dis à table! C'est prêt! Ah! Voilà pour mes deux brebis égarées. Regardez ça. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, moi, j'en sais rien. Je l'ai vu qui passait hier dans le ciel. On dirait un aigle. Peut-être bien. Hé, vous avez vu qu'on s'empiffre sans même avoir dit ses prières? Ça y est, elle remet ça. Elle est allée à l'église pour la première et la dernière fois il y a 10 ans. Et depuis, tous les jours, il faut qu'elle me casse les... Toi qui es dans le ciel, Marie, mère de Dieu, tu dois me comprendre. Parce que, d'après ce que j'ai entendu dire, toi aussi, tu as eu un fils qui t'en a fait voir de toutes les couleurs. Tu sais ce que c'est? Alors sois indulgente avec mes chers petits, pardonne leurs fautes et protège-les, je compte sur toi. Amen. Hé, hey, j'ai dit amen, sale porte, vous êtes. Amen. 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 Allez les gars, buvons. Allez, vide dans nos verres et puisse le Seigneur dans sa grande... Oh, tu peux pas lui foutre la paix une minute au Seigneur. Il doit être à table lui aussi à l'heure qu'il est. Ouais, bah j'espère que ça l'empêche pas de vous protéger. Faire la chasse aux poux, tu vas nous chercher une autre bouteille, hein, on est à sec. Ah ah, on a de la visite. Combien ils sont? Quatre. Il y en a un qui a une étoile sur la poitrine? Non. Et de quoi ils ont l'air? J'en sais rien. Ils ont des masques sur la gueule. Aux armes, citoyenne. C'est une surprise, hein? Eh oui, les gars, le monde est petit. Ouais, trop petit pour qu'il y ait de la place pour tous. Jetez vos armes, messieurs. Et dis donc, toi, t'es sourd? Jette ton arme. Dehors, maintenant. Une minute. Ah oui, j'ai oublié. Oui, de jouer. Bon, foutez-moi le camp maintenant. Allez, dégagez. Je vais vous apprendre, moi, à entrer chez les gens sans être invité. Tu te remues, toi? Et que je vous vois plus traîner par ici parce que la prochaine fois, je fais un carton. Tiens, mon vieux, étouffe-toi. Je te ferai pas ce plaisir. Et les enfants? Il y a le vieux qui veut faire la conversation. Mais tâchez de pas l'énerver si vous voulez pas que son autre pied bascule aussi dans la tombe. Il a trop bouffé. Non, ça doit être encore une de ses crises. Mais j'ai bien peur que cette fois, on soit en train de voir la dernière.
Allez, venez près de lui. Écoutez-moi, mes enfants. Je sens mon vieux cœur qui s'essouffle. Il bat plus que par habitude. Il se pourrait bien que je sois en train de boire mon dernier verre. Mais avant de faire le voyage, je voudrais bien être sûr que je laisse des fils qui vendront cher leur tête. Et toi, tu me parais mal barré. Ça fait des années que je te vois traîner sur ta litière et... et ça m'inquiète de voir que tu t'es pas encore trouvé un métier sérieux. Pas que t'es pas maladroit aux cartes, mais je t'ai jamais vu avec autre chose qu'un poil dans la main. Alors je voudrais que pour une fois, tu écoutes mon conseil. Intéresse-toi au commerce des chevaux. Mais attention, crois surtout pas que c'est un métier facile. Ça s'apprend pas en une nuit. Le vol, ça demande un long apprentissage. Regarde Bambino, il a compris, lui. Il est sur la bonne voie. Je dis pas qu'il lui reste pas encore beaucoup à apprendre, mais il fera un grand voleur de chevaux un jour. Alors maintenant, promettez-moi qu'à partir d'aujourd'hui, tous les deux, vous travaillerez ensemble. Quoi? C'est à toi de veiller sur ton frère. Il est jeune, il a rien dans la tête. Il met quelque chose. Protège-le, ce petit, comme s'il était ton frère. Tu rigoles, s'il y a quelqu'un à protéger, c'est moi contre lui. Ah, oh, laisse le vieux casser sa pipe en paix, quoi. Bon, d'accord, je le protégerai. Mais où tu mets un pied devant l'autre, où tu prends le mien au cul, et que je te vois plus traîner sur ton cercueil préfabriqué. Bon, ainsi soit-il, mon frère. Ta gueule, ce sera comme je voudrais. Ne lâche pas d'une semelle, Trinita. Parce que chez ce gros patin-pouf, la cervelle, c'est plutôt ramollo. Ne te fais pas de soucis, j'aurai l'œil. Pearl, tout ça, ça vaut bien un whisky. Hein. Je dirais même que ça vaut deux whisky. Ça vaut même la bouteille de whisky. C'est ton arrière-train qui t'empêche de t'asseoir comme tout le monde. C'est pas de ma faute si je suis né fatigué. Où on va? Au nord. Pourquoi au nord? Parce que j'ai décidé qu'on va au nord. Dis donc, j'ai quand même le droit. T'as aucun droit. Ou tu fais ce que je te dis, ou tu descends. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse par terre? Ben réveille-toi, sac à puce. Il y a du boulot pour nous. Fais comme moi. Pourquoi? Règle numéro un. Avant d'attaquer une diligence, tu commences par te couvrir le visage pour que personne te reconnaisse. C'est clair? C'est clair. Rien à faire, j'y arriverai pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va devenir? Donne-le-moi. Vite, monte dans la carriole. Allez, dépêche-toi. Obéis à ton père. Haut les mains. Haut les mains. J'ai dit haut les mains. Il a dit haut les mains. Alors, t'as entendu? Mais qu'est-ce que t'as tiré, toi? Haut les mains. Allez, plus haut que ça! Il peut pas, il va laisser tomber le môme. Allonge la monnaie. Mais notre seule richesse, c'est nos bras. Nous sommes que des pauvres paysans. Nous sommes venus à l'ouest pour chercher du travail. Ne fous pas de ma gueule si tu veux pas te retrouver définitivement au chômage. Et toi, veuve avant l'âge. Et va voir ce que tu trouves dans la... Oh, machine. Je vous en prie, nous... Ouvre ta gueule! Salut. Eh, j'ai dit salut. Oui, j'ai entendu. Vous êtes un hors-la-loi? Qu'est-ce qui fait voir ça? Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Eh oui, je suis hors-la-loi. Mais nous ne possédons rien. On est aussi pauvres que vous. Ah ben ça, alors, c'est triste, hein. Alors, qu'est-ce que tu fous dans cette carriole? Ayez pas peur, on vous fera pas de mal. Vous pouvez compter sur moi. T'as trouvé quelque chose? Ouais, juste quelques hardes et du parachis. Donc, je vois que vous avez des ennuis avec votre roue. Oui, ça fait 3 jours qu'on est coincé ici, et le pire, il a mal au ventre, le pauvre. Mais ça s'entend. Faudrait qu'on l'emmène en ville, voir un docteur. Ah, parce que l'argent pour le docteur, ça vous l'avez. Non, mais on vendra la carriole, il faudra bien.
Ah, les pauvres gens. Hey, tu te grouilles. Qu'est-ce que t'as? T'es pressé? Et c'est lourd, tu sais. Et voilà le travail. N'oubliez pas de graisser les cieux, hein, et tout ira bien. Merci, merci bien. Si tout le monde était aussi gentil et généreux que vous. Vous vous feriez plumer à longueur d'année. Merci. Merci. Qu'est-ce que t'attends, Noël ? Sympathique cet endroit. Et même plus que ça si tu regardes à gauche. Nettement moins si tu regardes à droite. C'est facile de passer inaperçu avec toi. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait. D'accord, je me cache. Ils me plaisent pas, ces deux pouilleux. Tâchez de les avoir à l'œil. Bienvenue à Tascosa, messieurs. Vous avez mis un premier pied dans l'Ouest. Si vous êtes venus chercher du travail, vous vous êtes pas trompé. Ça va, ton travail, toi, c'est les chevaux, alors fais-le. Fais bien attention au mien. Bon, il faut que je me trouve un armurier. Toi, va faire un tour, cet endroit pue le fric. Ton odorat ne me trompe jamais. D'accord. Si jamais t'as la main qui te démange, gratte-toi. Que le Seigneur guide vos pas. Merci, il l'a déjà fait. Salut, on se retrouve au saloon. Oui. Ça a l'air tranquille ici, il n'a pas l'air de se passer grand-chose. Ça pourrait bien être le camp qui précède le ras, à mon avis. Pourquoi? Parce que Wildcat Hendrix et sa bande viennent d'arriver. Et ils ont vite fait de transformer un village paisible en champ de bataille. Wildcat, qui c'est? D'après ce qu'ils disent, c'est un joueur professionnel. Mais d'après ce que disent les autres, c'est surtout un tricheur professionnel. C'est pour ça qu'il perd jamais. Si vous voulez le voir, allez au saloon, mais le regardez pas de trop près, parce que ça le rend nerveux. Vous emportez pas votre arme? Où tu vas? Reste là. Le type derrière toi, c'est Wildcat Hendrix, un professionnel du carton. Et alors, ça te fait peur? Tu veux que je te le présente? T'as pas quelques billets de trop? Qu'est-ce que je ferais pas pour toi, mon frère? De pouvoir dire à mes amis que Wildcat Hendrix a fait une partie avec moi. Vous avez rien contre un cinquième? Pour la donne.
C'est bon. Je passe. J'ouvre de $10. Montre-nous ton ouverture. Et chez moi, avant de jouer, on coupe les cartes. J'ouvre de $10. C'est 10 plus 40. Je suis. 50 de mieux. Deux cartes. Une. Deux. Servi. $100. Cent plus cent. Il y a un tricheur à cette table. C'est pas possible, c'est comme je te le dis. Heureux de t'offrir un verre.
On dit qu'une balle, ça se digère mieux quand on a un peu de whisky dans l'estomac. Monsieur va en prendre un double, comme ça il la sentira même pas passer. Grouille-toi, j'ai sommeil. Un couche dégaine, un couche cogne. C'est un jeu que tu connaissais pas, ça, hein? Je vais t'apprendre. Arrête, il est tard. T'as compris? Parce que tu crois que j'ai l'intention d'en rester là. Bon, d'accord. Tu veux continuer? On s'en trouvera, fils de pute! Comment il sait? Eh ben, voilà une bonne soirée. Hein? Combien on a gagné? Je comprends pas très bien ta question. T'as perdu, il me semble. D'accord, c'est toi qui tiens la caisse. Tu ne sais pas faire ça. Si on avait, on craindrait plus par cas. Messieurs, au revoir. Ah oui, c'est ce qu'il me faudrait. Oh! Oh! Oh, bijou! Oh, bijou! Monsieur Parker. Monsieur Parker. Oui. Je voulais vous dire, il y a deux types qui viennent d'arriver. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous les auriez engagés tout de suite. Je te remercie de te soucier de mes intérêts, mais pour l'instant, mon personnel est au complet. Et je viens juste de faire appel à quatre spécialistes qui arrivent de Denver. Ah, c'est vous le patron, monsieur Parker. J'ai pas de conseils à vous donner, c'est mais... C'est tout à fait judicieux, ce que tu dis là. Mais je... Ah, mon Dieu. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et n'hésitez pas à revenir. Eh ben oui, c'est elle. Que je vois, mais oui, c'est lui. Salut. J'ai dit salut. C'est à moi que vous parlez? Oui, oui. Je suis très heureuse de pouvoir vous remercier de ce que vous avez fait, parce que je ne sais pas ce que nous serions devenus si vous ne nous aviez pas attaqués. Oh, je veux dire, pas aidés. C'est moi qui vous remercie. Non, mais il n'y a aucune raison de nous remercier, parce que c'était notre devoir, en quelque sorte. Oh, j'ai vu tout de suite que vous n'étiez pas des vrais hors-la-loi. Ben, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas... Ah ben, vous, je peux le dire, nous étions en mission spéciale. Je peux pas vous en dire plus. Oh, vous êtes agents fédéraux, c'est ça? Ben, un jour sur deux... On est, disons, des intermittents, vous voyez. Dites, vous allez vous installer ici? Non, parce que si votre père cherche du travail, il a suivi la bonne route, vous avez mis le premier pied dans l'Ouest. Mais on dit qu'ici, des paysans comme nous, personne n'en veut. Non, je crois que mon père veut aller à San José. San José? Oui, San José. Ah, non, ça c'est bien, vous savez, à San José, vous mettrez le deuxième pied dans l'Ouest. Ne vous inquiétez surtout pas, c'est rien. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Sois sale, là. Chut, chut, chut. Bon, au revoir, mademoiselle, et bonne chance. Non, non, attendez. J'aimerais tellement que mes parents sachent qu'en réalité, vous n'êtes pas des hors-la-loi.
Maman, papa, c'est... Oh, pas ça, si je m'attendais, mais c'est lui qui m'avait aidé à réparer la roue de la carriole. On l'avait reconnu immédiatement. Un moment. Bien sûr. Vous avez rendu un fier service, monsieur. Ah, c'est vrai. Oh, je ne crois pas qu'il ait le droit de dire son nom parce que c'est un agent fédéral et il est en mission secrète. Oui, il y a des individus pour commandables dans la région et le gouvernement a demandé qu'on fasse une petite enquête. C'est pour ça qu'on est là. Racontez pas au capitaine ce que je vous ai dit. Non, 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 on lui dira rien. Ils nous ont donné. Faut surtout pas vous en faire, capitaine. On s'est gardé un secret. Oui, oui, on dira rien. Tant mieux pour vous. Comment va le rouge Peter? Le docteur a dit que c'est rien, que c'est du vent qu'il a dans le ventre. Il a dit que c'était de l'aérophagie. De l'aéro quoi? Ah, c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le pays. Ce mot, on ne peut pas laisser comme ça. Filez-lui un bon coup de whisky, ça lui fera du bien. Je peux? Oui, oui. Je vous remercie beaucoup, capitaine. Si tout le monde était aussi gentil et généreux que vous. Le monde deviendrait vite alcoolique. Drôle d'agent fédéraux. Hey, il paraît que ce restaurant, c'est le meilleur d'ici à San Francisco. Je regrette, monsieur, mais l'entrée est strictement réservée aux membres. Et justement, viens s'inscrire. Je vous en prie. Et avec les fédéraux pour se conduire comme ça. C'est le seul moyen. Ouais. Ça y est, les voilà. C'est messieurs. Alors, je vous demande pardon. Apportez-nous à manger. Eh bien, ces messieurs veulent peut-être commencer. Oui, ces messieurs veulent commencer. Très bien, dans ce cas, je puis vous suggérer... Pour digérer, on verra après. Pour l'instant, remplis nos assiettes. Moi et mon ami, on la saute. Antoine, la carte des vins. S'y attendre. Pourtant, il était certain que le gouvernement finirait bien. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a rien à craindre du gouvernement. Quant à ces deux sbires, je saurais nous en débarrasser. Vous n'avez pas l'intention, j'espère. Je n'ai que l'intention de venir en aide à ces malheureux. Je sais que quand on travaille pour le gouvernement, les fins de mois sont difficiles. Mais je ne pense pas qu'ils refuseront d'arrondir un peu leur budget. Fais pas tant de bruit, ça me rend nerveux. Et voilà, plan de poulet chasseur, sauce aux 22 épices, pommes de terre en robe de cellule et petits pois revenus à la rousse. J'espère que ça vous plaira et bon appétit. Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça, toi? Et voilà. Et voilà. Ah.
Merci, je pense que la transaction se fera sans aucune difficulté, messieurs. Bourgogne rosée, cela vous conviendra, messieurs. De terminer leur repas par... Ça te plairait? Oui. Oui, ça lui plairait. Antoine? Oui, monsieur. Curaçao, Cointreau. Ben, ça te va, toi? Oui, ça me va. Bon, ben, ça nous va. Bien, monsieur. Contrairement à ce que dit le proverbe, ce sont les ventres pleins qui n'ont pas d'oreilles. Monsieur. Merci, Vato. Monsieur. Non, merci. Ah, allez, voilà. Bon, 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 des calmes, camarade. Oui, comme ça, c'est bien. Messieurs, soyez les bienvenus. Je vous remercie, monsieur. Parker. James Parker. Je vous présente monsieur Lopère, mon associé. Monsieur. Enchanté. Ravi de vous connaître. Je vous présente le capitaine... Quelle belle bête. Magnifique. Vous appréciez les chevaux, je vois. Ouais. Eh bien, mes chers amis, je ne vous ferai pas l'injure de croire que vous n'avez pas tout de suite deviné le motif qui m'a amené à provoquer cette entrevue amicale. Et cela me permet de venir directement au fait. C'est ça. Voilà, j'ai une toute petite faveur à vous demander, capitaine. Je souhaite que vous me rendiez le service de fermer un œil. Vous permettez, capitaine? Et pendant qu'il fermera son œil, vous... Vous m'avez compris. Merci. Il y a une chose que vous oubliez, monsieur Parker. Vous remarquerez que le capitaine n'a pas qu'un œil. Et quand il en ferme un, il voit avec l'autre, hein? Ben oui. Je pense que 1000 dollars sur chaque œil sont un poids suffisant. Oui, deux fois 2000 dollars, ça fait 4000.
Vous ne tenez pas à ce que les miens restent ouverts, non? Non, je vous préfère aveugles tous les deux. Je savais que nous arriverions à nous entendre amicalement. Travailler pour le gouvernement américain nourrit mal ces hommes, surtout quand ils ont de l'appétit. Alors voilà une affaire conclue, capitaine. Exact. J'ai été ravi de faire votre connaissance, messieurs. C'est un plaisir de traiter avec vous. Murdoch, pourquoi faut-il que vous fassiez tant de bruit? Vous n'allez pas me dire que vous avez besoin d'entraînement. Murdoch avait préconisé une toute autre façon de vous fermer les yeux. Mais je dois dire que personnellement, je déteste la violence. Oui, vous avez bien raison, monsieur Parker. Vaut toujours mieux avoir recours à la persuasion qu'à la violence. Bien parlé, lieutenant. Vous retournez à Tascosa. Non, on va à San José. Ah, c'est une petite ville bien tranquille. Vous pourrez voir de vos yeux qu'il n'y a rien là-bas qui puisse retenir l'attention du gouvernement. Il est difficile de voir quand on a les yeux fermés, c'est pas, capitaine? Ça, c'est bien vrai. Envoyez quelqu'un avertir nos amis de San José. Ne perdez pas de temps. Jérémy, allez, prends-moi le camp. Je vous en prie, shérif, vous devez nous céder. On est des citoyens comme les autres. Ah, celle-là, elle est bien bonne. Pour vous, peut-être, shérif, mais nous, on trouve que c'est pas juste. Allez, pour le camp, il me casse plus les pieds. Tout ce qu'on vous demande, c'est de dire au moine qu'il s'arrête. J'ai dit, ça suffit. Il n'y a rien à faire, Pablito. Il ne nous reste plus qu'à demander au saint de nous aider. C'est drôle, il y a des jours où je me sens l'âme d'un saint. Quelle coïncidence, moi aussi. Señores. Si vous voulez, j'emmène vos chevaux à l'écurie, je m'occupe très bien d'eux. Vous verrez, vous serez très satisfait. Ouais, si cet œil est le témoignage de satisfaction d'un de tes clients, je préfère que tu laisses nos chevaux où ils sont. Oh non, señor, c'est pas un client qui a fait ça. Alors, emmène-les, puis soignez bien. Gracias, señor. Muchas gracias. Votre vestiaire. De quoi tu parles? Qui qu'on n'entre pas avec son artillerie lourde. Qui c'est qui a décidé ça, c'est toi? Non, mais c'est une bonne règle et ici on l'observe. Personne n'entre avec une arme. Que ça vous plaise ou pas, c'est la loi. Exact, et tâchez de pas l'oublier. Si vous voulez pas être éjecté à coup de pied au cul, avant d'avoir eu le temps de vous y mettre tel gosier. Et vous êtes tous les jours d'aussi bonne humeur? Non. Il arrive que je me fâche. Tiens. Merci. Ça doit être les deux fédéraux que Parker nous a annoncés. Belle galerie de tableaux. Pourquoi, tu les connais? Oui, celui qui est en train de parler, c'est Rip Smith. Qu'est-ce qu'il vaut? Le mec qui est au milieu, c'est le cadet, Lenny Smith, spécialiste des hold-up. Et le troisième? C'est Signary Smith, chasseur de primes. Rien dans le cigare, tout dans la gâchette. Il réfléchit pas, il tire. Alors du calme. Surtout, te retourne pas, mais je viens de voir un des types assis à la table derrière toi. Il t'a montré du doigt, puis après, il s'est barré. Dis donc, il doit trouver que t'as la gueule de travers, parce que c'est la troisième fois qu'il te regarde et qu'il se barre. Je veux savoir ce qui te fait marrer. Assieds-toi, on va te raconter. Oui, il t'a touché avec ses mains sales. Tu sais ce qui va arriver si tu recommences. On va tous vous passer au rouleau compresseur. Je suis pas curieux, mais je dois bien voir comment tu comptes t'y prendre. Hein?
Mais... il fait mal. À mon tour. Avec toi celui-là? Merci pour le voyage. Hein? On devrait en tirer un bon prix de ces têtes. Salut. Mais t'es fou quoi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je vous avais dit de pas vous montrer en ville. Salut, chérie. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, pour commencer, donnez-nous les 800 dollars que vous nous devez pour cette marchandise. Où est-ce que vous avez fait cette prise? Au saloon, shérif. Non. Si? Allez les mettre au frais, shérif. Oui, j'y vais. Tout de suite. Et comment? Allez, avance-toi. Avance, j'ai dit. Toi aussi. Et qu'est-ce que t'attends? Allez! Entre! Ils vont apprendre à me connaître, ceux-là. Parfait. Au revoir, shérif. À la prochaine. J'oubliais. Vous avez les amitiés de Parker. Ça, c'est gentil. Oui. Mais alors, c'est vous, les deux? Eh oui, c'est nous. Qu'est-ce que je fais avec eux? Ils travaillent pour Parker, je suppose. Eh oui, comme tout le monde à San José, d'ailleurs. Oh, bah alors, quel est le problème? Et il n'y en a pas, seulement j'ai peut-être pas besoin de les garder enfermés très longtemps. On ne peut pas leur faire de mal de rester quelques jours. Hein? Puis ensuite, vous les faites ligoter, puis pof, un grand coup sur la tête. Hein? Puis pour faire plus vrai, ben, je vous conseille d'aviser le pays que vous mettez leur tête à bruit pour 500 dollars, et qui les prendra vivants. Vous savez que Parker interdit formellement à tout le monde de mettre les pieds à la mission. Oh, oui, on est au courant. Hein? Oh, voilà, non. Si tous les saints du paradis ne nous viennent pas en aide, on ne s'en sortira pas. À moi le miracle. Hé, le v'là le miracle. Où ça? Là. Besoin d'un coup de main? Plutôt d'un coup de pied. C'est dingue, ils se sont plantés là, puis il n'y a plus moyen de les faire bouger. On va voir ça. Eh, c'est qu'une question de savoir-faire. Attention, tenez-vous à mon bras. Vous allez voir ça, ils vont démarrer en flèche. Il se fait tard, lieutenant. Vous êtes prête? Vous vous tenez, hein? En avant toutes! Yeah! Vous voyez ces bulles-là? C'est des vraies têtes de mule. Thank you.
grosse tête de mule ou je te crasse les reins. Allez-y, elles sont prêtes. Il n'y a pas de quoi, c'est rien. Vous allez repartir tout de suite? Oh non, non, il est trop tard. Je pense qu'on va camper ici pour la nuit. Et pourquoi vous restez pas avec nous? Ma fille fait les meilleurs haricots du pays. Ah oui, c'est vrai. Elle sait aussi faire la cuisine. Alors? Il a raison, votre père. Vous êtes un ruinement bon cuisinier. J'ai jamais mangé des haricots aussi succulents. C'est gentil, merci. Que les étoiles peuvent briller fort ce soir. Vous ne trouvez pas? Si, mais surtout les plus grandes, parce que les petites, elles brillent un peu moins. Mais c'est vrai. J'avais jamais remarqué ça. L'effet des roues, c'est des gens drôlement observateurs. Est-ce que vous savez aussi que les fleuves, eh bien, ils vont toujours dans le même sens? Non. Est-ce que vous savez que moi, vous et moi, on va dans le même sens? Même sens? Ben... Vous allez où? Quand ça? Demain. Vers le nord. Parce que j'aime le nord. Si ça te fait plaisir, je viendrai te voir. Si. Lieutenant! Oh merde! J'aurais jamais cru que les fédéraux, ça travaillait même la nuit. Mm-hmm. Eh oui, comme les voleurs de chevaux. Ah, et voilà. Lieutenant, vous semblez oublier que vous êtes de service. Ah oui, je sais, capitaine. Vous savez, les règlements sont faits justement pour qu'on y fasse des exceptions. Non. Alors c'est un ordre? Oui, c'est un ordre. Bon, madame, mademoiselle, j'espère à bientôt. Salut, petit. Des bons vents. Au revoir. Il me semble qu'il a la voix plus claire. Un pauvre petit, il faut le soigner. Oh, merci, regarde. Avec une autre bouteille de whisky, il devrait la boucler. Merci. Si tous les hommes étaient aussi gentils et généreux que vous. Tout le monde serait pétomane. En route, lieutenant. Et hop là. Brave garçon. Et demain, il y en a une qui part pour Chihuahua, ça te va? Non, il n'y a que les chiens affamés qui vont vers la frontière. Vaut mieux attendre quelques jours et se faire la diligence de San Antonio Houston. Et où on l'attaquera, au bord du fleuve? Non, ça c'était bon du temps du père. Aujourd'hui, la technique pour attaquer une diligence, c'est d'attendre le poste de relais quand les passagers se dégourdissent les jambes et que les cochers se paient un coup. Mira, Kirsten. Qu'est-ce qu'ils ont à nous regarder? Vous êtes venus pour les frères, señores. Quels frères? Les moines de la mission, señor. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Je suis allé confesser mes péchés et comme absolution, le moine confesseur, il m'a confié l'œil. Ah, je vois, c'est ce qu'on appelle donner l'absolution à l'œil. C'est très curieux, seigneur. Avant, les moines, ils étaient comme des vrais saints. Maintenant, c'est des vrais démons. Ils se saoulent, ils jouent aux cartes, et ils vont avec les filles, et quand on leur confesse un petit péché... Ils filent un grand coup. Et ils ont une grande force de frappe. Bon, très bien. Oh non, seigneur, très mal. Non, non, je veux dire très bien. On va s'occuper des moines. C'est vrai, seigneur. Eh oui, puisqu'il te le dit. Ah, gracias, muchas gracias, seigneur. Pablito, Pedro, ça y est, les saints vont nous aider. Cette histoire de moines qui battent les malheureux péons, c'est difficile à digérer, non? Non.
Et si tu penses que j'ai l'intention... Non, c'est pas ça que je pense. Je pense que Parker nous a filé 4000 dollars pour qu'on ferme les yeux. Et que le shérif nous a clairement dit qu'il faut pas trop s'approcher de la mission. Il y a peut-être un os là-dessous. Un os qui vaut bien plus de 4000 dollars, t'es pas d'accord? Et alors? Va ouvrir, toi. N'ayez pas peur, mes frères. Le Seigneur est avec vous. Non, nous, on est seuls. Soyez les bienvenus, mes frères. Lorsque le pèlerin qui vient faire pénitence ou le voyageur en quête d'une halte frappe à notre porte, nous l'accueillons par ces paroles, le Seigneur est avec toi. Et lui doit nous répondre, loué soit le Seigneur. Ah, ben, comme ça, je comprends. Loué soit le Seigneur. Eh ben alors, tu le loues pas? Hein? Ah oui, le Seigneur est avec moi et le loue aussi. Entrez, je vous en prie, entrez. Non, c'est eux qu'il faut envoyer à confesse. Compte sur moi. Regarde-moi ces hypocrites. Qui est-ce qui commande ici? Eh bien, disons que c'est moi, le berger qui veille sur ce petit troupeau. Que puis-je faire pour vous, mes frères? Eh bien, disons que ce pèlerin pêcheur voudrait aller à confesse. Et que le voyageur fatigué que je suis veut reposer ses fesses. Le voyageur aura le repos cherché. Et le pèlerin va être lavé de ses péchés. Venez, mon frère, venez avec moi. Suivez-moi. Jamais autre chose que de l'eau. Et qu'y a-t-il de meilleur pour étancher la soif? Le whisky, vous connaissez pas? Je me demande si vous battez les cartes aussi bien que vous battez le linge. Quelles cartes, mon frère? Les cartes sur table. Bon. Et comment est-ce que vous faites pour les plaisirs de la chair? Que veux-tu dire, mon frère? Et je vois ce que c'est. Il vaudrait mieux que vous parliez au prieur. Soyez tranquille, je suis bien sûr que le prieur y parlera. Par ici. Hé, où est-ce que vous allez? Vous voulez vous confesser? On va être un peu à l'étroit, non? Mais ça, c'est ma place, mon frère. Vous devez vous agenouiller de l'autre côté du grillage. Quoi, à genoux ici? Oh, vous pouvez vous asseoir si vous avez mal aux genoux. C'est la première fois, n'est-ce pas? Oui, et c'est sûrement la dernière. Eh bien, parlez, mon fils. Pourquoi? Ben, vous êtes bienvenu vous confesser. Oui. Oui, pour ça, entre autres. Je ne vous comprends pas. Je veux savoir si vous allez me donner l'absolution. D'abord, il faut vous confesser. Ensuite, je vous donnerai l'absolution. Et vous n'avez pas intérêt à l'ouvrir. Je me suis fait comprendre. Alors, en dehors de vous et de moi-même, il n'y a que lui qui saura. Non, je ne sais pas qui m'écoute là-haut, mais ça doit rester entre nous deux. Bon, très bien. Commencez, mon fils. Commencez quoi? Votre confession. Hein? Bon, ma vieille dit que je suis venu au monde en tôle.
Continuez, je vous écoute. Eh bien, quand j'avais 12 ans environ, mon vieux m'a emmené avec sa bande de voleurs de chevaux parce qu'on avait abattu un de ces hommes. Attaque de diligence, pillage de banque, j'avais peur de rien. Mais c'est assez, je crois que ça va suffire pour aujourd'hui. D'accord, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut vous repentir, mon fils, et vous repentir sincèrement. Ouais, je me repens. Alors filez-moi l'absolution si vous vous sentez de taille. Je comprends pas. Tu comprends pas? Mais c'est pourtant clair, absous-moi. Mais certainement, certainement, mon fils, je vais vous absoudre. Agnus Dei quitolis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei quitolis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei quitolis peccata mundi dona nobis pacem. Ego te absolvo peccatis tu in nomine pacem. Oh, je vais t'absoudre, moi. Au secours! Mais qu'est-ce qui vous arrive? Au secours, à moi! Eh ben, je l'ai pris sur le fait. Il a commencé par se marmonner des trucs à lui-même, et puis en sournois qu'il est, le v'là qui lève le poing. Mais c'était pour vous bénir, mon fils. Ouais, avec un crochet du droit. Vous trouvez que c'est des façons pour des moines? À vous de vous confesser maintenant. Pourquoi vous tabassez les péones? Mais nous n'avons jamais tabassé personne. C'est Lucifer. Oui, c'est Lucifer en personne. Tu la connais? Non, mais je peux pas croire qu'une bonne femme ait pu filer l'œil au beurre noir qu'on a vu. Bon, ben si cette Lucifer revient, dites-lui d'aller au diable, et puis vous nous le faites savoir. Que le Seigneur vous accompagne. Rangez pas, on connaît le chemin. Hey! Regarde qui est là. Ah, ça alors! Ah, voilà une bonne surprise! Ah oui, c'est exactement ce qu'on était en train de se dire, hein? Mmh. Et je croyais que vous alliez dans le Nord. Oui, on y va, mais d'abord, je peux remettre une lettre à monsieur. Monsieur. Zingari Smith. Ah oui, ce vieux Zingari, vous le trouverez pas, il est justement en voyage. Ah, mais on pourra la lui remettre, quand il sera de retour, bien sûr. Il faut qu'on lui dise de la part de qui? Il a dit Murdoch, oui, frère Murdoch, c'est ça. C'est un moine qu'on a rencontré il y a quelques jours. Et il nous a dit aussi de dire à monsieur Zingari qu'il n'oublie surtout pas d'envoyer ses épouvantails. Oui, c'est bien ça qu'il a dit. Parfait, on fera le message. Et dites-moi... Comment va la famille? Pas très bien, ils m'attendent à la mission. À la mission? Oui, les moines sont gaga du petit et le gaffe de sucrerie. Faites bien attention, hein. Déjà qu'il a mal au ventre, ça risque de déchaîner un ouragan. Eh ben, au revoir, messieurs, et merci encore. Au revoir. Bon, maintenant, on va enfin s'atteler à la diligence. Et puisqu'ils sont tous à la mission, on pourrait aller y faire un petit tour? Non. Tu vas t'installer sur ta selle et tu vas aller repérer le relais qui est à côté d'Apache Springs. Parce que c'est là que tu vas faire ta première attaque de diligence. Maintenant? Qu'est-ce que tu crois? C'est au moins 20 km, il fait bientôt nuit. Et alors, t'as peur du noir? Mademoiselle, bonsoir. Monsieur, madame. Voilà, votre enfant manifeste, paraît-il, de petits ennuis qui font grand bruit. C'est vrai, oui. Votre frère Clément lui a concocté une potion de plante qui fait miracle dans son cas. Nous vous remercions, mon père. Il n'y a pas de quoi. C'est notre devoir d'aider notre prochain et c'est aussi notre plaisir. C'est ça, bonne nuit. Donne-moi le petit, je vais le coucher. Je n'ai pas sommeil et la nuit est si belle. Je peux rester encore un peu dehors. Mais pas longtemps, hein. Non, non, je te promets. Bonne nuit. Salut. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai, qu'est-ce que je fais là? Ben, je suis service. Sur le mur? Ben oui, tu vois, c'est sur le mur. Le capitaine m'a dit de... demander la carte sur le mur. Et alors je monte. Mais
Mais je vais redescendre, hein. Tu m'attends? D'accord, je t'attends. J'arrive. Ouais, ça fait quand même haut un mur. Je t'aime. Je t'aime. Passer toute la nuit à boire, faudra vous acheter une bouteille et la monter dans votre chambre, parce qu'à minuit, on ferme. Mais... j'ai dit de remonter la bouteille, pas le temps. Où est le shérif? Il a disparu. Quoi? On l'a pas vu depuis une semaine. T'as une idée où on pourrait trouver Stingary et ses hommes? En tôle. Qu'est-ce que t'as dit? En tôle? Oui, j'ai dit en tôle. Qu'est-ce qu'il a dit en tôle? Bah, il faut croire que c'est le shérif. Alors cette ordure a bien fait disparaître. Quelle heure il est? Bah, il doit être 10 heures. Je vais régler le compte des deux fédéraux. Alors t'as rien compris, grand con. T'as pourtant eu le temps de réfléchir derrière les barreaux, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ces gars-là, ils sont pas plus fédéraux que toi, t'es intelligent. C'est des tueurs professionnels, ils ont la main plus rapide que ton cerveau. Et maintenant, on sait, les suivez-moi. Faut dégager la voie pour Gonzalez. Si tu veux jouer au plus con avec nous, t'auras pas le dernier mot. Tu m'aimes? Qu'est-ce que tu crois? Vous allez rester ici? Bah, si on peut, oui. Il y a de la bonne terre dans la région. Le prieur avait même dit qu'il nous ferait cadeau d'une ferme qui est aux frères, mais il n'a pas pu avoir l'accord de l'évêque. Et comment est l'évêque? Ah oui, l'évêque a refusé. Peut-être que c'est parce qu'on est protestant. On a toujours raison de protester. Et toi, qu'est-ce que tu es? Hein? Tu es luthérien, baptiste? Moi, on m'appelle Trinita. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Tu es mormon, méthodiste? Oh, question méthode, je crains personne, tu sais. Seulement, nous, les fédéraux, on doit pas en parler parce que c'est une méthode secrète. Mais à toi... Retourne vite dans la carriole et reste-y. Vite! Vous allez ouvrir, oui? Vous allez ouvrir? Vous voulez qu'on enfonce la porte? Allez, ouvrez! Gonzalez est arrivé! Ouvrez, ouvrez! Ouvrez, ouvrez! Ouvrez, ouvrez! Gonzalez va vous faire sauter! Ouvrez! Ouvrez et que le Seigneur nous protège! Vous avez laissé les Gonzalez et de ses compagnons. Madre de Dieu, on n'est pas venu pour rien. Approchez les chariots et venez prendre livraison. Vite, chargez. Ah, vous autres, ne laissez pas planter là, venez nous aider. Faisons ce qu'il nous dit, mes frères. Clouez-vous. Plus vite que ça, toi. Oui. Ah, c'est ça. Nous. Tiens, attrape. C'est la dernière. Hé, chef, regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu veux que je foute de ce morceau de fer rouillé? Je les laisse.
Jacinto, apporte les flics. Et le pingouin, tiens. Ces 50 000 $ qu'il y a là, c'est pas pour le tronc des pauvres. Pas les pattes, compris? Sinon, monsieur Parker, il se fâchera et avec ta barbe, il se fera un scalp. On peut y aller, Jacinto? Ah oui, chef. Alors en route! Non! Une seconde, Jacinto! Tous les vrais frères, les mains en l'air et hop! Bon, maintenant, tous les vrais frères, le poing dans la gueule des faux frères. Non, je sais qui est maintenant, alors on les mains. Restez là, surtout ne vous montrez pas. Plus de contrebande d'armes ou tu passes la tienne à gauche? Si, si, seigneur. T'as compris, Gonzalez? Si, si. J'ai cru que vous l'aviez tué. Non, je lui ai juste égratigné la main pour lui enlever l'envie de la remettre dans le sac. Vous pourriez peut-être me donner quelques explications. Lieutenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lieutenant? Mais comment ça, lieutenant? Oui, je suis lieutenant et en plus agent fédéral. Que le ciel protège mes frères de Parker et de sa colère. Sans compter que maintenant les bandits mexicains vont vouloir se venger. Qu'est-ce qu'ils vont avoir là-dedans? C'est eux qui font passer en contrebande les armes que Parker leur fournit. Et comme vous avez vu, notre mission leur sert de dépôt. Oui, et de banque aussi. Oui, c'est exact. Eh bien, je vois dans l'obligation que vous confisquiez ça. C'est le corps du délire, en quelque sorte. Oh non, ne faites pas ça. Si Murdoch ne trouve pas l'argent quand il viendra, Dieu seul sait ce qu'il fera. Non, moi aussi, je sais, Murdoch ne fera rien. Oh, capitaine et moi, on est là pour y veiller. Vous ne les connaissez pas, vous avez affaire à une bande d'égorgeurs. Et vous croyez vraiment qu'ils sont de taille à faire peur à deux agents fédéraux, mon père? L'air. Tu sais où sont Stingari et ses hommes? Ils sont en prison. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, dès que le shérif s'est repointé, la première chose qu'il a faite, c'est de les refoutre au trou. Bonne nuit, messieurs. Quelle heure tu as? 10h05. On t'a déjà dit que si tu veux jouer au plus con avec nous, c'est pas toi qui auras le dernier mot. Eh oui, c'est ça. T'étais, t'as pas vu l'heure? C'est pas la lire, l'heure. Et toi, il t'a fallu tout ce temps pour aller à Apache Springs, jeter un coup d'œil et revenir? Mais dis donc, j'ai fait 50 km et ça fait 2 heures que je suis parti. Comment ça se présente? Très très mal, je crois. Comment ça, très mal? Pour la diligence, pas pour nous. Ah. Thank you.
vas-y, recommence. Oh, y en a marre. Je te connais, t'as toujours une tête comme une passoire. Dès que la diligence se pointe et s'arrête... Dès qu'elle se pointe où? À Apache Springs, avant le relais. Bon, ça va, continue. J'entre dans le relais, je sors mon arme, t'essaies de sortir la tienne, je tire en l'air, mais comme t'as peur, tu lèves quand même les mains. Je fous le camp et tu pars à ma poursuite. Et on partage aux frères. Voyageurs pour San Antonio et Houston en voiture. Bon, alors bonne chance. Tâche de pas foirer cette fois. Parce que sinon, je vais me retrouver orphelin de frère. J'ai peur, Henri. On raconte tellement d'histoires sur les bandits qui attaquent les diligences. Ça ne se fait plus, Agnès, voyons. Il n'y a que dans les westerns qu'on voit ça. Oh, mais si, je t'assure, j'ai entendu dire... Non, vous n'avez rien à craindre, madame. Je le tiens de John Ford, un vieux spécialiste, qui disait que pour attaquer une diligence, il faut attendre que les chevaux soient fatigués et que les cochers s'endorment. Non, faites-moi confiance, personne n'attaquerait une diligence au début du voyage. Oui, vas-y. Arrêtez! Arrêtez! Mettez vos armes! Vite, je suis pressé! Descendez! Descendez tous! Tu vois, je te l'avais bien dit. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je suis là. Alors, le gros, tu te remues? Les mains en l'air! Tu t'attendais pas à celle-là, hein? Jette ton ceinturon. Maintenant, vide tes poches. Tu te fous de moi ou quoi? Et tes 1000 dollars que t'as dans l'autre poche, tu les gardes pour qui? Gardez la monnaie, vous la donnerez aux pauvres de la mission. Madame, je vous prie de m'excuser. Un séjour. Bon, on remonte, Agnès. C'est incroyable. On finira par ne plus pouvoir sortir de chez soi. Faites-moi confiance, personne n'attaquerait une diligence au début du voyage. Bravo. Oh, pardon, mon père. Mais non, ça échappe à tout le monde. Vous savez, même aux anges dans le ciel. Peut-être un peu moins souvent. Voilà quelqu'un. Certainement un pèlerin qui vient se confesser. Je sais pas pourquoi, mais ça m'étonnerait. Elle se plante une balle de plomb entre les deux yeux. Du calme, mon frère. Je suis très calme. C'est pour ça que t'as encore une bouche pour parler. Et puis, qu'est-ce qui me prouve que t'es bien mon frère? La vieille nous le dit, mais elle a jamais eu de mémoire. Alors, si je te descends, il y aura personne pour te pleurer. Pourquoi t'as cru que je te jouais un tour de cochon, hein? Qu'est-ce qui a bien pu te donner cette idée? Et je vais te le rendre, ton frère, que j'ai fait ça pour que tu vois que grâce à tes leçons, je commence à devenir moins con. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'es un bon maître et que moi, je suis pas un mauvais élève. Et que si toi, t'as pas les deux yeux dans ta poche, j'ai pas les deux pieds dans la même sandale. Alors je me suis débrouillé pour mettre la main sur le magot avant toi. Le magot? Mais quel magot? Attends, je t'explique.
La mission sert de dépôt d'armes à Parker et un Mexicain en a acheté pour 50 000 dollars hier. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Je veux voir les 50 000 dollars. Je vous remercie d'être maintenant venu, que capitaine. Le capitaine est là, vous verrez. Faites-moi voir où est le magot. Il n'y aura plus de problème. Le quoi? Le petit paquet, c'est ça. Frère Clément, allez chercher la source de tous les mots. Oui, mon père. Ça sera grâce à vous. Nous sommes là pour vous défendre. Grouillez, frère Clément, que la source ne tarisse pas. Tu reconnais nos amis, n'est-ce pas? Hein? Vous vous connaissez? De très chers amis. Voilà. Merci. C'est de l'argent maudit, capitaine. Oh, vous n'avez qu'à le bénir. Lieutenant, je compte sur vous pour organiser la défense pendant que je vais remettre aux autorités ce précieux paquet. Je peux peut-être m'en charger et puis vous resterez ici. Non, je ne veux pas que vous preniez ce risque, lieutenant. Prenons-le ensemble. D'accord, ça se discute. Pour l'instant, allez chercher vos armes et mettez-vous en place. Quelles armes, capitaine? Oui, vous ne connaissez pas la meilleure. Eh bien, ils ne croient pas aux armes. Les voilà! C'est eux, ils arrivent, ils arrivent! Restez calmes, mes frères! Remontez dans votre carriole! Tâchez que le portail reste fermé, essayez de gagner du temps! Ils vont tout faire sauter! Eh bien, trouvez un truc pour les retenir! Très bien, suivez-moi, mes frères! Allez, allez, avant! Halt! Mais il est sourd, cet imbécile! Halt! Ouvrez le portail, mes frères! Ceci est la maison de Dieu, mes frères. Venez-y dans un esprit de paix et il vous sera ouvert. Ouvrez, assez de palabres! Prouvez-nous que vous venez en ami et je vous ouvrirai. Rien à faire, c'est une idée fixe, apparemment. Dans ce cas, jetez vos armes, messieurs. Vous croyez sans doute invulnérable parce que vous portez la robe. Je croyais que vous aviez pour mission de semer la bonne parole et pour principe de tendre l'autre joue. Mais voilà que c'est la pagaille que vous semez et le poing que vous tendez. Bel accueil en vérité que vous avez fait à mes clients en envoyant trois d'entre eux à Patres. Messieurs, allez prendre l'argent et mettez le feu à cette maudite grange. Oh, je ne vous le conseille pas. Alors, auriez-vous un conseil à me donner? D'un dollar, M. Parker. Quoi? Expliquez-vous. Bien, c'est vous qui l'aurez voulu. Murdoch, voulez-vous faire sauter la mission, je vous prie? Enlevez-vous de là. Hé, hey, voyez pas que vous gênez, non? Reculez, allez vous mettre avec les autres. Vous? Oui, nous, la loi. Jetez vos armes ou je l'égorge. Faites ce qu'il dit, je vous en prie, il va la tuer. On n'use pas d'armes à feu dans la maison de Dieu. Attendez! Non, c'est fini. Bien joué, mon cher Murdoch. Encore un moment. Je crois que la bedaine de notre cher frère vaut bien 50 000 dollars. Allez, soldat, je suis content de vous. Où tu vas?
Tu vas te tenir peinard. J'arrive pas à ouvrir, c'est trop lourd. Venez m'aider. Allez, allez, allez. Ne restez pas planté là. Donnez-leur un coup de main. J'ai pensé que ça pourrait vous être utile. Non, mais à eux peut-être. Est-ce que ça peut vous être utile? Montez-vous de là! Ouvrez ce portail, je vous dis! Et moi, j'ai dit, montez-vous de là! Il n'est pas chargé! Le magot! Sont les marchands du temple à l'attaque. Quand la raison peut prévaloir. Vous allez me le payer. On ne touche pas. Passe. Non. Papa, tu l'avais bien dit. Allez-y, vite, père. Yeah!
quelle poigne. Alors, t'as vu ça? En trois coups de cuillère à peau. Oui, ben le pot, c'est moi qui le ramasse. Un de ces jours. Laissez passer! Écartez-vous de là! Et moi d'un côté, les autres de l'autre! Tiens. Bravo, frère Philippe! Je savais que je pouvais compter sur vous. C'est toi qui as envoyé frère Philippe chercher les Rangers? Je suis peut-être con, mais quand même... Non, capitaine, c'est moi qui ai envoyé frère Philippe. C'est pas que je vous faisais pas confiance, mais vous n'étiez pas là et je ne savais pas si vous arriveriez à temps, n'est-ce pas? Et j'ai eu tort, capitaine. Non, pas du tout. Mon père? Je vous présente nos anges gardiens, colonel. Sans leur héroïsme, je ne serais pas là pour vous recevoir. J'ai envie de vous connaître, monsieur. Monsieur? Capitaine, il est peut-être temps de regagner le quartier général. C'est tout à fait exact, lieutenant. Je vous dois des excuses. Pendant un instant, je vous avais pris pour un voleur de chevaux que nous recherchons. C'est curieux, mais ça arrive très souvent, n'est-ce pas, capitaine? Oui. Alors, c'est fou ce que... Alors, voilà les 50 000 dollars, la preuve du trafic de Parker. Remettez-le au juge. Je n'ai jamais vu une ressemblance aussi incroyable. Capitaine, vous êtes le portrait craché d'un ignoble bandit. Et voici la prime que le capitaine a touchée pour la capture des 5 malfrats de Parker. Mais non, cet argent est à vous. Selon la loi, il vous appartient. Non, notre salaire de misère nous suffit. Ah, messieurs, le gouvernement n'a pas plus fidèle serviteur que vous. Adieu, messieurs. Salut. Et peut-être un de ces jours. Mon père. Reste avec nous, mon frère. Ton sourire sera une source de joie pour tous. Oui, reste. Tu es fait pour vivre parmi nous. Il suffit de te regarder pour comprendre que ton cœur n'est que bonté. Mais où vas-tu? Non, non, ne pars pas. Reste avec nous. Reste. Bravo, ça, tu peux être fier de toi. Quand je pense qu'on a fait tout ce boulot pour enrichir les caisses de l'État, tout ça parce qu'un con de ranger t'a reconnu. Eh oui, mais... Avec une gueule comme la tienne, on reste honnête et on se tait. Ah, regarde. Turn the tables around.